Salut Troopers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur la route pour vous et on n'est pas tout seul. On a retrouvé quelqu'un que vous connaissez déjà et qui est passé sur la scène. Et what's chaîne, up YouTube. C'est Joe Mike Live. Ça va? Tranquillement et toi? Ça va. Bon, tu nous as ramené ta pétoire, j'ai vu. Ouais, on a ramené la HM. Et on le va but, pouvoir essayer ça. Tout à fait. Au programme aujourd'hui, on fait un petit tour d'actu de Joe. Ouais. Il nous montre la machine qu'il nous a ramené parce qu'il est passé avec un 80 fast. C'était une 86 top alu. 86 top alu, pardon. Top alu, ouais. Aujourd'hui, tu es revenu avec un 100 fast. Avec la grande sœur. Ouais, la grande sœur. Celle-là, on l'a pas vue. Peut-être que vous la connaissez, mais nous, on l'a pas vue. On t'a ramené la fameuse Honda HM parce que tu nous as prié de la ramener pour l'essayer. Mais les gars, je précise, il n'y a pas de frein arrière, donc ne jugez pas. Ils n'ont pas encore eu le temps de mettre les plaquettes. Voilà, c'est ça. En fait, on les fabrique. Bon, on y va? Ouais, allez, c'est parti. C'est parti. Joe, Nico, on est venu à ta rencontre, ça change. Ouais, du le coup, retour. Le retour, ouais. Le retour sur la chaîne. Exactement. Le retour, mais pas pour rien. Parce que là, tu nous amènes un beau bébé. Un beau bolide. Mais tu nous dévoiles un beau bébé. Alors, il y en a certains qui le connaissent déjà parce que ça fait un petit moment que tu l'as. Ouais. Bon, la machine, donc, pour ceux qui la connaissent pas, malgré qu'elle soit pas mal connue, donc c'est une Yamaha DT en 100 fast avec un moteur Euro 3 GPR, une V-Force 3i 85CR, un PV Albidalo, un embrayage Tachy 6 disques. Bien vu, Nico, pour le petit code promo. Avec plaisir. Un radiateur Conti V3 pour la partie cycle, une peinture de cadre, des jambes de DRD bleu, une selle de chez Laser Guy, un échappement KRM Pro Ride, une prépa de DF Racing qui prépare tous les moteurs de la team RPC83, big up l'équipe. Poste de pilotage KRM, ça what, il n'y a pas grand chose à dire. Je viens de me rapprocher des locaux de chez Maxi Scoot, donc c'est pour ça que c'était une bonne occasion de se revoir. Donc là, il a mis 15 minutes pour venir me voir, c'est plutôt cool. Pour ceux qui sont de la région, je travaille chez Moto Concept, n'hésitez pas à passer faire un tour. Il y a du cross, du gros cube, tout ça. On peut se retrouver au Scooter Power week-end à Salbris dans un mois, je crois c'est. Ouais, dans à peine un mois, dans 3 semaines. Dans 3 semaines pour le retour. Un grand événement qu'on attend tous. Il y aura soirée mousse ou pas? On vous prépare quelque chose de sympa. Ça me plaît quoi, ils disent. En fait, si on refait un peu l'histoire, c'est assez marrant. Alors, en fait, on est né dans la même région, pas exactement dans la même ville, parce que toi, t'es originaire de Blois. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis originaire de Bourges, donc on est à une trentaine de kilomètres. En fait, on se retrouve 600 km plus loin, à l'autre bout de la France. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'on se retrouve après dans notre région d'origine pour les événements. Ah, c'est toujours un plaisir de t'avoir ici avec nous. En fait d'échanger avec les Troopers. Mais pour les chiffres, du coup ça fait combien de chevaux? Ça sort à peu près entre 32 et 35 chevaux. C'est bon. En départ arrêté, ça dépose un 125YZ et malgré que je sois gros, et c'est kiff kiff avec un 2,5 quoi. En fait je dirais pas gros moi, t'es un bon vivant. Ouais. C'est plutôt ça. Ouais. Tu nous montres tes talents, ensuite on passe à la petite orange qui est à côté. Voilà. On fait un petit tour ensemble. Tester. Tu nous montres, bah tu nous en parles, tu nous dis ce que tu en penses, ton petit feeling, puis après on va tester. Vas-y, ça va. Ok. Et Nico aussi va peut-être essayer la bête. Peut-être. J'ai envie que vous le voyez un peu avec le sourire jusqu'aux oreilles et dire ça marche sa mère. Bah déjà moi j'ai. Oui c'est clair. On sait pas la mère de qui mais ça marche sa mère. Après, je sais qu'elle souffle. De toute façon, Franz, voilà, il n'est pas là pour rigoler. Voilà, c'est ça. Tu nous en as déjà fait la démonstration sur les différents événements et sur la scène. Du coup, trêve de blabla, quoi. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez. Le moment tant attendu, le deuxième. On va aller regarder ça de plus près. Suis-moi, garçon. Voici la bête en question. Ouais. Notre Honda HM, en fait, les Troopers la connaissent. Okay. Ils l'ont pas vu encore forcément en vrai. Toi, t'as un peu l'exclu. Ouais. Et l'exclu de l'essayer. Et de. Bah voilà, de les. Ouais. Bon, on va aller tester du ça coup, après. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Tes premières impressions? Très, très classe. Ouais. Sobre, propre, efficace, j'aime bien. Les petits cartels d'embrayage, ça passe crème. Qu'est-ce que je peux dire de plus? L'adaptation des carénages, picobello. Le rappel, c'est un 88
Stachys Big Racing avec le pot 80-90 passage haut fait pour les Honda HM et pour les Vent. C'est que des produits que tu peux trouver sur le shop. Ouais, c'est propre. Voilà. C'est et des carénages. Du coup, c'est une adaptation. J'avais pas vu ça, le petit levier de frein Stachys, c'est propre. Ouais, aussi, mettre aussi dans Stachys. Ça, fait... je pense que je vais équiper. D'ailleurs, je vais spoiler un peu. Moi aussi, je suis en train de me monter une HM, les gars. Et il y a moyen que je mette ça, peut-être. Du coup, on peut les retrouver bientôt sur les réseaux. JoeBKLF04 en bas, ça s'affichera. J'espère que Nico, tu feras ton taf. Et dans la description, bien sûr. Sur Snapchat, c'est pareil, JoeBKLF-04. Et Facebook, JoeBKLF-04. C'est les nouveaux guidons. T'as vu Cocotte Pro Taper ? Ouais, ça, c'est vraiment ça, j'ai vu. Ça, j'ai commandé déjà. Bah, j'ai commandé pour la HM. On va avoir kiff-kiff le même poste de pilotage à quelque chose près, je pense. T'aimes bien ? C'est propre. Déjà, les parties cycles de HM, c'est classe ouais, déjà c'est de base. Clair. Ça fait une vraie partie cycle, un vrai châssis quoi. C'est clair. Pneus slick, PMT. C'est propre. Voilà, on est sur une machine. Faire de la piste quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une machine de qualité? C'est qualitate. C'est Dutch. Et d'ailleurs, je vois ça là, ton étrier de frein à l'avant là. C'est quoi ça, Magura? Origine. Comment ça se fait que j'ai pas ça sur la mienne? En fait, on en a parlé avec pas mal de gens qui connaissent cette machine. Et sur les Honda HM, il y a un max de. Comment dire? De différence ah ouais. Entre, en fonction des séries. Version Pro, 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 Plus, Plus. Mais même sur une même série. En ah fait, ouais. Tu peux avoir une Honda HM avec une boucle alu, une boucle acier, ah ouais. Un double radia, sans double radia. La nôtre avait le double radia d'origine, mais boucle acier. Mmh. Mais tu peux trouver avec la boucle alu. Et c'est, ça varie vraiment d'une machine à l'autre. C'est okay. Un truc de fou. Si quelqu'un a un double radia de HM hein, en stock, qui regarde la vidéo, je suis preneur. Pour m'envoyer un message, je réponds. Je réponds à tout le monde quasiment. Donc ouais. Ça va être à toi maintenant de prendre les commandes. Allez, c'est parti. C'est parti. Résultat, ça marche pas trop mal pour un engin stock. Comparatif, je pense, ça peut se comparer à un 86 top alu à peu près. Okay. Sauf que là, c'est plus pointu, un peu moins de bas régime. Et bon, dommage qu'il n'y a pas de frein arrière, quoi. J'aurais bien fait une petite démo, mais. Et du coup, ça veut dire qu'on se revoit. Ça veut dire qu'on va se revoir, forcément. Avec une évolution moteur, un frein arrière. Tu comptes évoluer le moteur. Bien sûr. En fait, le but, et ça, on l'a pas dit. Mais c'est de. Parce que maintenant on a des data stock, mmh. On va faire une data moteur optimisée. Ok. Et ça, on spoil un peu le truc, mais vite fait. Du coup, on vous invite pas forcément, en tout cas, à me suivre. Oui, je vais m'équiper, mais je suis en short et t-shirt. Mais cette action est réalisée par des professionnels. Ne tentez pas de la reproduire. Alors, moi je vais pas la mettre en Y. Hein. Non. Essaye pas. C'est elle qui va te mettre en Y. Ah merde. Mais par contre, vous avez vu, je suis corporate, full Stachys. C'est beau. Putain, sympa les petits gants comme ça. Eh ouais, hein, fonce sur le shop. Hein. J'attends que tu m'en envoies une petite paire. Bah, tu peux venir les chercher, on a un shop maintenant. Ouais, et puis vrai. Tu pourras venir nous voir. C'est vrai, c'est pas faux. Allez. Allez, petite musique de Warrior là. Je lave le sélecteur. Ouais, c'est vrai, ça va. De fou, hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Putain. On leur dit pour le jeu, par contre. Ouais, il y a un petit jeu dans la fourche. Non, ouais, franchement, ça marche pas mal. Ouais. C'est une position de route totalement différente de la HM. La HM, mais ouais, c'est pas mal. Bon, merci, Joe. Ouais, bah, avec plaisir. Hein. Bon, allez, Nico. Ciao, merci bon, beaucoup. Il y en a qui ont métier. Allez, ça part. C'était cadeau. Allez. Merci beaucoup, bah je repars avec et je te laisse la blanche. Ouais, non, ça va aller. Tu gagnes au change, hein.
Mmh.